Sébastien, comment Bonjour allez-vous? Sandrine. Très bien, merci Sandrine. Alors, on ne peut plus dire bonne année parce que je pense que quand la vidéo elle va passer, on sera en février. Mais en tout cas, je vous souhaite quand même, Sébastien, à vous et vos équipes, une très bonne année. Eh bien, Et avant merci. qu'on démarre, Sébastien, est-ce que vous pouvez, un, nous présenter qui vous êtes et puis nous présenter BioFuture, votre entreprise? Alors, bah écoutez, qui je suis? Sébastien Loctin, j'ai 50 ans, je suis papa. Alors, je dis ça parce qu'évidemment, mes enfants jouent un rôle assez important, pour ne pas dire fondamental, dans mon éveil, ma prise de conscience alimentaire. Et puis, je suis un entrepreneur, j'ai créé la société BioFuture, et je suis surtout un passionné d'alimentation. Enfin, moi, je suis un passionné de bouffe, au sens un peu systémique, parce que mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs, donc j'ai un peu ce lien à la terre, un peu paysan. Mes arrière-grands-parents, mes grands-parents étaient cuisiniers, traiteurs, chefs pâtissiers du paquebot Normandie. Donc, il y a un rapport aussi à la cuisine, à la gastronomie, au bon, qui est assez ancré. Et j'ai grandi à Lyon, qui est une ville où on bouffe pas trop mal, hein, quand même aussi. Donc, du coup, c'est vrai que naturellement, j'ai démarré ma carrière dans l'alimentaire chez Le Sueur, dans des grands groupes agro. Je suis resté 15 ans dans des grands groupes à faire un petit peu le tour du monde de l'alimentation, du champ à l'assiette. Et puis, il y a 10 ans, j'ai quitté ce monde-là, sous l'impulsion un peu d'une réflexion initiée à travers mes enfants, parce que voilà, moi je nourrissais mes enfants d'une manière qui était en fait celle qui me ramenait à ma jeunesse, un peu systémique, donc brute, voilà, clean, cuisinée, plutôt locale. Et puis ensuite, dans ma vie d'à côté, professionnelle, ben, je mettais un masque et puis je faisais autre chose. Voilà. Donc j'ai voulu, on parlait de réalignement en préambule, ben, j'ai voulu un petit peu me réaligner en me disant, j'ai pas envie le matin de partir avec un masque et de rentrer le soir et de le laisser sur la table. Donc je me suis dit, je vais essayer de nourrir les gens comme je nourris mes gosses à travers la marque Quintessence que j'ai lancée il y a 8 ans. Alors, est-ce que vous nous pouvez nous parler, bah, en fin de compte, bah, de BioFuture et bah, de ce que vous y faites et en quoi vous pensez être un acteur de la transition alimentaire avec BioFuture et donc la marque Quintessence? Alors, bah BioFuture, donc, on est spécialisé dans l'alimentation. Quand on est entrepreneur, la question que je me suis posée il y a 10 ans, c'est de me dire comment, quand on est petit et qu'on n'a pas un rond, comment est-ce qu'on peut avoir de l'impact? Parce que quand on parle de transition, bah, l'objectif, c'est d'avoir un minimum d'impact, que ce soit sur les consciences, sur les actes d'achat. Donc, le plus simple, je me suis dit, j'ai suivi le conseil d'un ami qui m'a dit déjà, commence par rester sur des marchés que tu connais. Donc, bah, les huiles, les sauces, tout ça, les condiments, ça me parlait bien. Et puis ensuite, je me suis dit comment m'inscrire dans le quotidien des gens. Enfin, moi, en tant que papa, je vois avec mes enfants, j'ai une espèce de routine d'achat en épicerie. Donc, dans mon placard, je vais retrouver un certain nombre de produits, voilà, des huiles, des sauces, des condiments, des vinaigrettes, des céréales, des pâtes à tartiner, des confitures, des soupes, etc., que j'achète un peu chaque mois de manière récurrente. Et ces produits, ben, c'est à eux que j'ai décidé de m'attaquer, pour y apposer un cahier des charges, alors qui est peut-être un cahier des charges de transition alimentaire, je ne sais pas, mais en tout cas qui est un cahier des charges qui correspondait à ce qui me semble être une noble manière de nourrir les gens. Les nourrir au sens nutrir déjà, c'est-à-dire ne pas les remplir, mais les nutrir, donc les nourrir. Ensuite, ben, dans le respect effectivement d'un impact économique positif, en privilégiant ben, une agriculture française, donc voilà, en remettant du paysan dans les campagnes, en soutenant plutôt des PME également basées en France pour avoir un impact positif sur l'emploi. Et puis ensuite, avec un cahier des charges composition qui est assez simple, hein, ben, moi qui me ramène à ce que j'ai connu petit, ben, peu d'ingrédients, pas d'ingrédients ultra transformés, donc pas d'additifs, le choix d'une agriculture biologique, et de façon à avoir effectivement des propositions, des produits qui soient les plus nutritifs, les plus locaux, les plus propres possibles, et puis évidemment bons, quoi. Voilà. Donc d'avoir une approche un peu systémique de notre assiette. Et est-ce qu'on n'a pas pensé, quand vous avez redémarré, parce que ça, c'est quand même un reset total par rapport à ce que vous faisiez, et on ne s'est pas dit, mais tiens, vous avez sûrement eu des doutes hein, en tant qu'entrepreneur et tout, vous vous dites, mais comment je vais amener les consommateurs à moi? Comment je vais réussir à leur faire comprendre que mon produit, il est bon? Est-ce que ça a été difficile de trouver des bons circuits de distribution? On Ouais, s'en ça a souvient été, plus il y a 8 ans. ouais, tout a été difficile parce que moi, il y a 10 ans, quand j'ai démarré cette réflexion,
J'ai presque envie de dire que c'était difficile, plus difficile sur certains aspects il y a 10 ans et plus difficile sur d'autres aspects aujourd'hui. Il y a 10 ans, ce qui était difficile, c'est que déjà, personne n'a compris mon choix. C'est-à-dire, j'étais dans un grand groupe, en comité de direction, bien payé. Tout le monde a pensé que j'avais pété un plomb. C'est-à-dire, je devenais un peu le José Bové, un peu illuminé, voilà, qui se faisait plaisir, enfin, voilà, qui avait fondu un câble. Et c'était compliqué d'expliquer aux gens que bah, je croyais en autre chose et que j'avais envie de nourrir les gens autrement. Après, ce qui était vachement difficile là-dedans, c'est que c'était compliqué de convaincre mes potes, déjà, autour de moi, ma famille, et puis c'était compliqué de convaincre les industriels avec qui que je voulais embarquer, parce que quand vous arrivez sans un rond en disant, écoutez, voilà, sur l'huile, on va changer d'approche, on va avoir une approche plus personnalisée, avec des produits de cette qualité-là, de cette origine-là, et pareil sur les vinaigrettes et les sauces, les industriels, ils n'étaient pas du tout formatés pour ça. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les sourcings, ils n'avaient pas les runs de production qui allaient bien, ils n'avaient pas le savoir-faire en R&D pour se passer d'additifs. Et puis moi, je n'avais pas de débouché encore, donc fallait y croire. Il fallait vraiment tout miser sur un mec qui venait avec sa bonne intention. Et ça, c'était vachement compliqué. Ça a été dur. Hein. Pendant 2 ans, j'ai vraiment ramé. J'ai passé 4 ans sans salaire. On a vécu dans 30 mètres carrés avec les enfants. Ça a été des périodes vachement compliquées. On a failli déposer le bilan 2 fois. J'ai eu des doutes, j'en ai eu plus qu'un, j'en ai eu beaucoup. Et à chaque fois, par contre, c'était intéressant, c'est qu'à chaque fois que je me suis dit, bon, je vais abandonner parce qu'en fait, là, je crois que je me suis un peu illusionné, il y avait toujours un petit signe de la vie qui m'arrivait. Soit un client qui référençait nos produits, soit une récompense innovation. Il y avait toujours un petit truc qui me redonnait un peu de gaz et qui me disait, putain, mais t'es dans le vrai, continue, quoi. Et voilà, et donc, je me suis accroché. Et puis, l'aventure a vraiment démarré fin 2013. Où là, on a commencé à avoir des référencements chez L'Eau Vive, Natureo, Naturalia. Et puis voilà, après, ça a été moins compliqué. On avait nos sous-traitants, on avait nos distributeurs, on avait de la croissance. Donc oui, il fallait de la pédagogie, ce qui était compliqué parce que les consommateurs, nécessairement, n'étaient pas aussi sensibles aujourd'hui à toutes ces questions. Donc, mais comme on arrivait de manière assez précurseur, en même temps, on se dénotait un peu dans le rayon, donc on attirait l'attention et on pouvait travailler des supports pédagogiques pour expliquer un peu aux gens notre démarche. Ce qui est plus compliqué aujourd'hui, Sandrine, pour moi, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui en termes de qualité est moins visible qu'il y a 10 ans parce que noyé dans une profusion d'informations, de labels, et qui fait que le conso, il ne sait plus vraiment quoi mettre derrière une information. Donc, j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué d'expliquer et de valoriser ce qu'on fait qu'il y a 10 ans. Voilà, quand il y a 10 ans, c'était plus compliqué de le faire. Et est-ce que du coup, parce que vous savez, moi, je pose toujours des multiples questions et c'est hyper intéressant ce que vous me dites. Est-ce que vous ne pensez pas que un des biais de cette problématique de transition alimentaire, hein, pour faire court, en fait, avoir une alimentation saine et durable, ce n'est pas cette profusion d'informations où, en fin de compte, le consommateur, il ne sait plus où il habite, quoi. Le pauvre, un coup, lui dit le tout et son contraire. Un jour, c'est bon. Dans la même journée, il va entendre la même chose n'est pas bonne. Et donc, lui, il se dit, je baisse les bras. Et puis, un autre truc qui était hyper important et que vous m'avez dit tout à l'heure à titre personnel, vous disiez, moi, j'ai ma liste de courses, je sais ce que je mets dans mon frigo à peu près tous les mois quand on a des enfants et tout. Et un des freins, et depuis 15 ans, hein, toutes les études se recoupent là-dessus, un des freins à l'alimentation saine et durable, c'est en fin de compte le fait de faire évoluer la liste de courses. Donc, ça, c'est deux choses sur lesquelles je voulais vous faire réagir. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, un, c'est les biais, en fait, c'est tous ces biais d'information qui sont trop multiples, en définitive, entre les réseaux sociaux, entre ce qu'on sait, entre le gouvernement, entre les marques elles-mêmes qui ont leur label marketing, qui ne sont pas des vrais labels et tout. Moi, je suis client, je me dis, je reste où je suis, je ne vais pas prendre de risques. À force. Ouais, complètement. Ça, c'est très clairement, là, vous mettez les. Enfin, on va se tutoyer. On se tutoie, Sandrine, en fait ou... On va se tutoyer. Allez, on se tutoie, on se lâche. Mais tu as raison. Là, je crois qu'il y a un vrai sujet qui est de comprendre ce qu'on mange. Et aujourd'hui, moi, ce que je trouve assez choquant et qui m'attriste, hein, c'est qu'on est dans un monde où les gens achètent des produits alimentaires sans savoir ce qu'ils achètent. Donc, ils payent pour ne pas savoir ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont mettre dans leur corps. C'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire, au pays des droits de l'homme, le droit de savoir ce qu'on mange, il est complètement aliéné. Et c'est vrai qu'il l'est parce que d'une part, d'un côté, il y a une espèce d'opacité intégrale. Alors, je prends le cas d'un ketchup américain leader. Vous l'achetez, il y a une belle marque et juste une tomate grappe, comme si c'était des tomates grappes dans le produit. Donc, en fait, il y a une espèce d'illusion de la qualité et rien d'autre comme info. On ne sait pas d'où vient le concentré, d'où viennent les tomates, comment elles sont cultivées, la valeur nutritionnelle, on ne sait rien. C'est du rêve qu'on nous vend avec un prix bas. Et de l'autre côté, exactement ce que tu dis, c'est-à-dire une profusion d'infos. Tout le monde y va de son label. Et moi, j'ai une anecdote qui me fait rire et qui m'attriste. C'est que ma fille, qui est quand même vigilante, va acheter des produits alimentaires, va faire les courses une fois, elle me ramène des salades, des sucrines. Et sur le paquet de sucrines, il y avait un label avec écrit « production 100% propre ».
Et pourtant, la vigilante, elle croyait avoir bien fait. Mais qu'est-ce que veut dire production 100% propre? Elle s'est dit, ça doit être comme du bio ou un truc clean. Alors, c'était clairement de l'ultra-intensif. C'était les salades espagnoles. Elles sont restées dans le frigo pendant 10 jours. Elles n'ont pas bougé. Bon, et en fait, c'est vrai que le conso entre production 100% propre, agriculture durable, agriculture raisonnée, nouvelle agriculture, haute valeur environnementale, bio, déméter, naturel, il est paumé, quoi. Zéro résidu de pesticides, sans résidus. Il y a un moment, de quoi on parle? De quoi on parle? Enfin, choisir un aliment en conscience aujourd'hui, franchement, si on n'est pas nutritionniste, ingénieur agronome, expert filière, voire un peu détective privé, bah, on n'y arrive pas. Et même nous, dans l'agro, on a du mal parfois. Donc ouais, c'est un vrai biais. Ouais, et donc, du coup, mais comment tu fais entendre, en fin de compte, bah, la spécificité de tes produits? Parce que, comme tu le dis, il y a 10 ans, bah, tu étais peut-être un peu seul, donc dans le rayon, à mon avis, voilà. Mais maintenant, comme tu as vu, la taille des rayons, elle a augmenté, des nouvelles offres en permanence, qui font tout, en fin de compte, hein, qui lavent le linge, qui nourrissent, qui rincent et qui sèchent. Enfin, concrètement, c'est à peu près ça. Et je me dis, mais comment on peut actionner quelque chose quand on est sur un marché qui a des offres à peu près tous les jours? Écoute, je ne vais pas te mentir, c'est devenu extrêmement compliqué. C'est d'ailleurs, quand tu dis un biais, c'est même un gros frein à la transition alimentaire. C'est-à-dire que ça ne fait pas… L'alimentation vertueuse aujourd'hui est plutôt punitive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu veux faire bien, tu as toutes les contraintes du monde. Tu as le prix, tu as la difficulté de sourcing, tu dois te coltiner des labels dans tous les sens, tu dois payer ces labels, tu dois te faire tes coûts d'analyse. Et puis le gars à côté qui fait n'importe quoi, il a le droit de raconter des cracks, de vendre pas cher, de faire une plus grosse rentabilité que toi. Enfin, c'est extrêmement inéquitable. On est dans un système, voilà, où malheureusement on parle de transition alimentaire, mais qu'est-ce qui est fait de manière assez juste pour que le conso puisse avoir un comparatif réel entre deux produits? Voilà, il a un prix, mais il n'y a pas de réalité en face. Enfin, c'est un peu la baguette à 29 centimes de Leclerc. À 29 centimes, il n'y a pas de problème, mais mettons une réalité en face. On parle de quoi? La composition, quand on la regarde, est-ce qu'on peut appeler ça une baguette? Moi, je n'ai pas de problème, les gens veulent en acheter, mais qu'on mette des réalités économiques. Et nous, aujourd'hui, on découvre quelque chose qui est très nouveau et on est en train de repenser nos modèles de communication. On travaillait historiquement beaucoup avec les professionnels de santé, nous, parce qu'on a notamment certains produits qui sont à destination un petit peu fonctionnelle. Donc, on s'est beaucoup appuyé sur les naturopathes, les nutritionnistes, les diètes, etc. Et un diète m'avait dit un jour, une fois, tu as mis nos recommandations en bouteille. J'aimais bien cette expression parce que c'est des produits qui sont rassurants, qui s'inscrivent facilement dans le quotidien des gens. Et ça a été pendant longtemps un angle et en tout cas une population avec laquelle on a travaillé sur une base de prescription. Aujourd'hui, c'est tellement confus que ça devient même ce circuit-là, il est compliqué parce que même les professionnels, ils perdent leur latin. Et donc, on se retrouve, nous, dans une situation où il faut qu'on réinvente la manière qu'on a de communiquer avec nos consommateurs parce qu'on se rend bien compte que ce qu'on dit n'est plus audible, en fait, et n'est plus valorisé à son juste prix par rapport à tout ce qui se raconte à côté. Donc, je suis assez emmerdé parce que là, en l'état, on n'a pas la clé, on n'a pas craqué le truc, mais il est clair qu'on en parlera sur le collectif réalité. Je pense qu'il y a un moment, il faut réguler l'information. C'est-à-dire que l'information au consommateur, elle doit être simplifiée et compréhensible et harmonisée parce que là, c'est très compliqué. Et toi, pour aller dans ton sens, sans faire une thèse sur le sujet, je pense que même les applis, tu vois, hop, eh ben, elles engendrent encore plus de confusion qu'elles ne peuvent aider au final. Parce que d'un autre côté, elles te déchargent peut-être de ta charge mentale de dire, bon, ben, lui, l'appli va me dire si c'est bon pour moi ou pas. Donc, ce qui fait qu'en plus, tu t'inquiètes encore un peu moins. On connaît les grands groupes suisses qui font de la céréale. Moi, j'ai fait un post, 200 000 vues sur de la céréale de chez N avec du chocolat, quoi. Et tout le monde était étonné. Je dis, mais oui, mais c'est un coup de magie. Et ça, je tape pas sur les industries agroalimentaires, parce qu'il y en a qui sont vertueuses. Mais voilà, lui, c'est faire, il a compris comment fonctionne. Une fois que tu comprends comment fonctionnent les algorithmes, tu détournes la chose. Et donc, ça, c'est toujours au profit. Par exemple, toi, ton huile, elle va être classée peut-être D parce que c'est une huile. Et lui, il va réussir à te faire des chocolats, des céréales au chocolat ultra transformées en A. Oui, il y a des bugs. Il y a un vrai souci. Ouais, les applis, je suis d'accord avec toi. En fait, elles ont le mérite d'exister, de donner une info. Moi, et je trouve ça très bien parce que ça a fait avancer. Alors, le conso, ça l'a peut-être perturbé un peu sur certains aspects. On va y revenir. Mais ça, mine de rien, ça a quand même montré que l'industrie alimentaire, quand elle avait un peu peur d'une information, elle était capable de bouger. Moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'avant les applis, nettoyer les additifs, c'était impossible. Quand tu écoutais les industriels, c'était oh là là, impossible d'y toucher.
Bon, dès qu'il y a une appli qui est arrivée pour effectivement alerter sur les additifs, comme par hasard, tout le monde s'est organisé. C'est assez marrant, en fait, tu vois, les industriels, l'inertie, elle a bon dos. Après, les applis, donc je te rejoins, c'est que elles créent un biais qui est que les consommateurs, bah, déjà, elles ont une approche qui n'est pas systémique de l'alimentation. C'est-à-dire qu'elles vont te donner un angle d'information, elles vont te coller une étiquette sur un angle, et les consos ont un peu une tendance à en faire des bibles alimentaires. Donc voilà, j'utilise mon appli, je scanne, si ce n'est pas bon, bah, je ne me pose pas la question plus globale de l'alimentation, de la liste des ingrédients, d'où ça vient, etc. Voilà, je résume un peu l'aliment à cette information-là. Et ça, je trouve c'est un peu dommage parce que je crois que l'alimentation, c'est un peu plus compliqué que juste est-ce que y a des additifs, est-ce que ça vient de là. Je pense que voilà, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est la limite de l'appli. Et après, l'autre truc qui me gêne toujours sur l'appli, c'est que comme toujours, sur la transparence alimentaire, c'est toujours les parties prenantes qui proposent des solutions, c'est jamais les marques. Donc, c'est toujours les parties prenantes qui, voilà, le politique, les ONG, les Yuka, Siga, Co. qui proposent des solutions. C'est jamais les marques qui prennent leurs responsabilités pour dire la vérité. Donc, ça me gêne un peu parce que solliciter le consommateur, c'est un peu comme la marque que tu as citée, N, à une époque, voulait intervenir dans les écoles pour faire que les professeurs fassent des programmes d'éducation alimentaire auprès des élèves. Moi, je veux bien, mais à un moment, avant de dire que c'est le rôle des profs d'éduquer, avant de dire que c'est le rôle des parents, est-ce qu'on ne devrait peut-être pas se dire que c'est le rôle des marques de commencer par dire la vérité? Ça commence sur le packaging, l'éducation, c'est facile d'attendre des autres qui fassent, mais bon, à quand les marques commenceront à faire de la pédagogie consommateur? C'est vrai. Et du coup, là, j'en viens à le collectif en vérité. Alors, est-ce que tu peux, voilà, en vérité, est-ce qu'il pourrait nous dire la vérité? Pourquoi tu as lancé ce collectif? Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Ouais, à mon avis, je dois faire ma petite crise tous les 10 ans. Il y a 11 ans, j'ai tout plaqué pour monter ma boîte. Et puis l'an dernier, je me suis dit, bon, maintenant que j'essaye de faire ma part, tout seul, dans mon coin, ça ne va pas assez vite. Parce que bah, y a un enjeu de santé publique. Hein. On voit bien l'impact de l'alimentation sur la santé, entre voilà, les problématiques de diabète, de cardiovasculaire, d'obésité. Enfin, c'est triste de se dire qu'on se tue en mangeant. Enfin, moi, je trouve ça un peu flippant. Quoi. Qu'on se tue en fumant, je comprends. Qu'on se tue en mangeant, je ne comprends pas. Donc, je me suis dit, voilà, il y a un enjeu de santé publique et puis il y a un enjeu environnemental. Quoi. Moi, j'ai des gosses. Je me dis, mais à ce rythme-là, on ne va jamais y arriver. Quoi. Enfin, alors que l'alimentation, on sait qu'elle peut avoir un impact colossal sur notre société. Et donc, tout seul n'y arrivant pas, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que ça fait bouger les lignes? Ben, en fait, très clairement, je me suis rendu compte que la transparence, comme par hasard, fait bouger les lignes. Dès que les consos ont une information, ils s'en servent, et ça fait peur à l'industrie. Donc, je me suis dit, la transparence, c'est un bon levier. Et pour faire un peu de bruit et que ça avance, et si on, pour une fois, c'était nous, les marques, qui collectivement réclamions une espèce de transparence harmonisée. C'est-à-dire, si on inversait un peu la donne, c'est-à-dire plutôt que d'attendre des autres, si on se mettait en responsabilité, et en disant, bah ouais, en fait, c'est vrai qu'on a été trop loin. Bah ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le bordel. Bah, c'est vrai que ce n'est pas normal que les gens ne sachent pas ce qu'ils mangent. Et bah, il faut que ce soit régulé. Donc, on demande un moment, une harmonisation de cette information et puis une fin de la récré. Et c'était comme ça que l'idée du collectif est née. Alors, le plus dur, ça a été effectivement d'arriver à convaincre les premières marques, hein, parce que là, tu prends dans la tronche toutes les peurs, les appréhensions, c'est pas possible, c'est compliqué, comment je vais faire, et si on me demande. Et puis, bon, j'ai eu la chance de trouver des marques de taille et de notoriété différentes qui ont accepté de nous suivre sur une première action en décembre. Et puis, quand ils ont vu les retombées qui sont hyper positives, parce que les gens sont très tolérants avec ceux qui veulent faire bouger les lignes. On n'est pas parfait, on le sait. Donc, assumons-le. Par contre, demandons, on est prêt à faire mieux. Pour faire mieux, il faut juste qu'il y ait des règles du jeu un peu plus communes, un peu plus harmonisées. Et si on arrive à mettre ça en place, ben, on fera tous mieux. Voilà. Mais je pense qu'il faut avoir cette sincérité et il faut avoir cette ambition vis-à-vis des consommateurs. Merci, voilà, Sylvain. Bah, je t'en prie. Donc, le collectif aujourd'hui. Non, donc le collectif en vérité, tu peux nous dire déjà quelques marques qui vous ont rejoint et quelles actions vous avez fait en décembre? Alors, en décembre, on a 12 premières marques qui avaient été sélectionnées, qui ont toutes dit oui. Donc, il y a des grosses marques hein, historiques. Il y a Dossi, par exemple. Il y a des marques de la GMS type Alpina Savoie. Il y a Jardin Bio en GMS également, sur un secteur un peu plus engagé. Après, on a des marques purement digitales comme Omi. On a des marques non bio, GMS comme Juste sur les jus, on a Food for Good sur le poisson, on a Arienco sur la céréale, bon, on a évidemment Quintessence et Node. Donc voilà, donc on a un panel de marques qui est très hétérogène et qui représente bien en fait
ce qu'est notre alimentation, entre les petits, les grands, les différents circuits. Et puis, comme action, on a écrit une tribune dans le journal du dimanche, qui a été beaucoup relayée. Et puis ensuite, on a collectivement sur nos réseaux sociaux, tous en même temps, partagé cette ambition de voir les règles d'information harmonisées. Donc, une espèce de pression mise au législateur en disant au législateur, un moment, prenez vos responsabilités. Au lieu de passer votre temps à chercher à interdire, eh ben, au contraire, le seul truc qu'il y a à faire, c'est de libérer. Donc, il faut juste imposer de dire la vérité, ce qui n'est quand même pas très compliqué. Et ensuite, laisser faire le marché, arrêter d'interdire. Celui qui veut utiliser des nitrites, eh ben, il n'y a plus de problème puisqu'il devra le dire. Et croyez-moi que s'il doit le dire, il arrêtera. Et donc, à un moment, il faut plutôt... au lieu de légiférer dans tous les sens à interdire en permanence, il vaut mieux dire la seule chose qu'on impose, c'est de dire la vérité, ce qui me semble juste dans l'alimentaire, et puis ensuite, le conso choisira, et puis l'industriel s'adaptera. Donc, on a mené ces actions en décembre, et puis depuis, là, on a constitué une association à but non lucratif, on est en bénévole, qui a démarré là, il y a une semaine. Donc, les 12 premières marques ont adhéré, et puis on a des marques maintenant comme Café Lobodis, Candia, Entremont, avec les marques Candia et Entremont, groupe Sodiaal qui nous rejoignent. On a d'autres très belles marques qui sont en discussion. Donc là, aujourd'hui, on a une quarantaine de marques à peu près qui rejoignent le collectif. Donc c'est un joli petit kick-off. Mais c'est bien parce que, en fin de compte, tu m'aides pour ma prochaine question. Alors déjà, moi, je vais dire un truc. J'espère que pour Egalim 3, vous allez être consultés. Pas toujours un peu les mêmes qui racontent un peu. Voilà. Ça, c'est mon petit coucou à Monsieur de Normandie. Egalim 3, venez aussi chercher les autres. Et tiens, si on est en pleine période électorale, allez, tu es au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, parce que je trouve que ça manque, en fin de compte. On parle toujours d'agriculture, mais jamais d'alimentation qui pourrait être un peu couplée avec le ministère de la Santé et de l'Éducation. À mon avis, un grand ministère autour de ça. Qu'est-ce que tu ferais, alors, hormis en vérité, tu ferais quoi pour... C'est quoi ta première action ? En fait, elle est très liée à... Alors, ce n'est pas sur l'assaut, mais elle est très liée à ce qu'on vient de se dire. C'est-à-dire que j'aurais pu dire, tu vois, j'aurais pu dire que je travaille à pousser une agriculture bio, mais voilà, mais ce n'est pas l'objet. Je pense qu'il faut accepter que l'industrie évolue à son rythme. Et moi, si j'étais politique, je ferais un truc magnifique. J'imposerais aux marques un affichage unique et harmonisé sur 4 critères d'impact, qui est le projet en réalité. Parce que pour moi, politiquement, je crois qu'on fait une erreur, c'est que politiquement, on pense que la souveraineté alimentaire, c'est la souveraineté alimentaire par l'industrie. Sauf qu'on sait très bien que l'industrie, à un moment, elle nous emmène sur une voie de garage. La souveraineté alimentaire, c'est le choix du peuple de décider librement du modèle de société qu'il veut. Et ben donc, si on veut laisser le choix, si on veut permettre aux Français de voter sur leur alimentation, il faut leur donner l'information. Donc, ma première mesure, ce serait de libérer tout ça en imposant à tous les produits alimentaires un affichage harmonisé unique sur 4 critères d'impact. Et comme ça, au moins, en face d'un prix, le conso, il aurait une réalité en comparatif sur les mêmes indicateurs. Il ferait son choix. Et puis, s'il décide de creuser sa tombe avec ses dents, eh ben, écoute, il creusera sa tombe, mais il le fera en conscience. Et voilà. Et ça, c'est la souveraineté. Ça ne me pose pas de problème. Ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est quand des parents achètent des produits qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de saborder leur gosse, alors qu'ils veulent bien faire. Ça m'ennuie. Donc voilà, ma première mesure, ce serait celle-ci, affichage harmonisé unique. J'en ai une deuxième. J'en ai une deuxième qui serait effectivement de réfléchir à un système de boni ou de mali, alors peut-être par le jeu de la TVA, sur les produits à impact les plus positifs. Je te dis ça pourquoi ? Parce que ce n'est pas juste quand tu as je reprends mon fabricant de ketchup. Quand tu as un fabricant de ketchup qui vend un produit pas cher, qui fait beaucoup de rentabilité et qui en même temps contracte une dette collective sur la santé publique, sur l'environnement, sur l'emploi, parce qu'évidemment, les emplois méga centralisés en multinationales, tu fais 2 millions de plus dans une multinationale, tu ne crées pas un emploi. Tu fais 2 millions de plus dans une PME, tu crées 3 emplois. Donc, à un moment, ce modèle-là qui est destructeur de valeur économique, qui est destructeur de valeur environnementale et qui nuit à la santé des gens, tu ne peux pas faire de la marge, vendre des produits, contracter 3 dettes, le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la société. Ça, ce n'est pas possible. Donc, à un moment, il faut se dire, si tu effectivement tu as des produits à impact négatif, tu dois avoir un mali, probablement en termes de TVA. Ou alors, à contrario... Au Mexique, en fait, quant au Mexique. Alors, ils le font uniquement sur le sucre, mais là, K.
s'est fait rattraper par la patrouille mardi, je l'ai vu dans le train, oui, ils se sont fait rattraper par la patrouille. Ils n'avaient pas bien, bien expliqué le sucre dans les paquets de céréales, hein, et ils se sont fait rattraper. Et alors, maintenant, au Mexique, parce que c'est un vrai souci, on en parle assez peu du sucre, mais moi, je le dis tout le temps, ça va être compliqué de taxer. Pourquoi? Parce que c'est quand même une des premières productions mondiales, le sucre. Donc, il y a des enjeux complètement. Tellement importants. Que ça va être très compliqué d'aller dire aux gens, bah non, on ne va pas vous laisser gagner l'argent que vous gagnez, c'est un lobby en soi, le sucre. Et je regardais les chiffres, c'est la première production mondiale. Je ne pensais pas que c'était à ce moment-là. Non, mais tu as raison, il y a un poids de lobby. Alors après, moi, c'est mes mesures politiques peut-être un peu naïves, mais évidemment, elles se heurteront à certains lobbies. Mais je pense qu'à un moment, il faut être assez juste. Celui qui se donne du mal, qui se prend toutes les contraintes, mais qui ne contracte pas de dettes supplémentaires pour la société, il doit être encouragé, d'une manière ou d'une autre. Ou alors, je trouve que c'est assez positif. Tu vois, moi, je pense souvent, c'est un truc que j'aime bien sur mes produits. Je me dis, quand un consommateur va acheter un de nos produits, alors ouais, il va payer un peu plus cher. Mais il va passer à la caisse une seule fois, à la caisse du supermarché. Ensuite, il ne passera pas à la caisse de la sécurité sociale, il ne passera pas à la caisse de l'air pollué et des nappes phréatiques pourries, il ne passera pas à la caisse de l'emploi de demain pour son enfant. Voilà, donc c'est juste se dire, ben, essayons de faire passer les gens à la caisse qu'une fois, faisons grossir cette transition alimentaire de façon à ce que ça se répercute aussi en économie d'échelle sur les prix, pour permettre progressivement aux gens qui ont un peu moins les moyens, tu vois, d'avoir accès à une meilleure qualité parce alimentaire. Parce que c'est aussi l'alimentation saine et durable, c'est aussi donner au plus grand nombre accès à ces produits-là. Exactement. Ce n'est pas le cas actuellement. Ce qui n'est pas le cas. Ces produits s'adressent à une certaine catégorie de consommateurs qui ont les moyens. Oui, alors… Oui et non, parce que, tu vois, un truc qui m'a surpris quand j'ai démarré en circuit bio, quand je suis allé chez Biocoop, j'avais cette idée-là, et en fait, sur le parking, je ne voyais pas beaucoup de Mercedes, BM, Maserati. Et en fait, la première clientèle Biocoop sont les professeurs des écoles et les agriculteurs. Et je pense qu'il y a une question de moyens, mais une question d'éducation. En fait, quelle est l'importance de l'alimentaire pour moi? Si c'est aussi important qu'un smartphone, bah, je mets le prix. Si effectivement je considère que l'alimentation c'est juste se remplir parce que j'ai une fringale et je mets n'importe quoi dans mon ventre pour me remplir, bon, ben, effectivement je ne mets pas le prix. Mais je pense qu'il y a une problématique d'éducation. Et ce qui est injuste aujourd'hui et ce qui freine le changement, puisqu'on parlait des politiques, c'est que cet argument des gens un peu qui n'ont pas les moyens, c'est l'argument qui empêche la transition. C'est-à-dire que les industriels, c'est odieux, ils passent leur temps à dire on aimerait bien, mais on ne peut pas parce qu'il faut nourrir les gens démunis. Donc, résumons, les gens démunis, c'est eux qui mangent mal. C'est eux qui sont les plus malades, c'est eux qui gâchent le plus. Et en plus, oh là là, on va tous crever parce qu'on ne peut rien faire parce qu'ils sont là. On va les faire culpabiliser. Non, mais sérieux, les pauvres, il faut un peu leur foutre la paix. Et je pense que collectivement, l'effort, il doit être fait par ceux qui ont les moyens. Moi, je suis choqué quand j'ouvre les placards de mes amis qui ont vraiment les moyens de voir ce que je trouve dedans. Je me dis, là, on a un problème de conscience. Donc, l'information, elle doit permettre à ceux qui ont les moyens de comprendre ce qu'ils achètent et donc de changer leurs achats. Et c'est eux qui doivent faire l'effort pour démarrer cette économie d'échelle qui profitera aux démunis. Ça, c'est plus social. Voilà. C'est les gens qui ont les moyens qui font l'effort. C'est vrai. Eh bien, Sébastien, je vais te remercier. On te retrouve dans 10 minutes sur notre média. Et puis, on va continuer cette discussion. Et puis, on te dit à tout bientôt avec En Vérité. Et puis, avec des nouveaux produits, sûrement sur la marque Node. Ouais, on ne va pas s'arrêter. Hein, sur Node et sur Quintessence, on va lancer quelques nouveaux produits sur les sauces. Et puis, on a d'autres petits segments en cours de réflexion. Tu verras ça prochainement. Mais en tout cas, j'étais ravi de ce petit moment, Sandrine. Merci beaucoup.